The suicide of a Canadian bull rider turned a spotlight on what might be the world's most dangerous sport. Photographer Todd Coral spent weeks with the rider's closest friends on the bull riding tour, exploring how a way of life threatens the health and safety of the men who do it. Coral's photo essay for the Globe and Mail gives a behind-the-scenes look at the challenges rodeo cowboys face while pursuing a vocation they love. Judges said this was a complete package that combined clean composition with great storytelling. Coral exemplifies the tradition of documentary photojournalism by presenting a view one cannot get from the bleachers. Des milliers de demandeurs d'asile ont fui les États-Unis en 2017 de peur d'être arrêtés et déportés. Martin Tremblay, de La Presse, s'est attaché à documenter l'histoire des migrants qui ont traversé la frontière, se sentant menacés après l'élection de Donald Trump. Un grand nombre d'entre eux sont arrivés par un chemin de campagne qui relie l'État de New York au Québec. Les images de Martin Tremblay ont fixé des moments de grande émotion qui contribuent à la force de la trame narrative. Cette candidature s'est particulièrement distinguée par des images saisissantes, représentant des migrants qui ont peiné pour se rendre à la frontière, avec des enfants qui assistent à l'arrestation de leurs propres parents. Les juges ont dit qu'on pouvait sentir leur accablement. Ian Wilms also documented the story of asylum seekers, in this case for the Globe and Mail. On a bitterly cold winter weekend, he followed 22 asylum seekers who crossed into Canada near the town of Emerson, Manitoba. To better capture the story, Wilms also visited Somali communities in Minnesota, from where most of the refugee claimants were coming. This story's chronology demonstrates the photographer's willingness to go in-depth as he chronicles the journey from a Minneapolis coffee shop to the border. The images capture with raw intensity the resilience and determination of those in search of a permanent and safe home. Judges said the decision to publish in black and white served the story well. The award goes to Martin Tremblay. Je suis très honoré, ému. Moi, j'en profite pour remercier les lecteurs de La Presse qui nous ont suivis pendant 125 années et qui nous suivent toujours, même si nous avons arrêté d'imprimer notre journal. Et La Presse Plus est un merveilleux outil pour les photographes et ça nous permet aussi de faire des reportages photos et qui sont vraiment... une super place dans la presse. Et merci à Éric Trottier et toute la direction de La Presse de continuer d'investir et de croire au photojournalisme de qualité. Merci à Yann aussi qui a fait un excellent boulot. C'est un honneur d'être avec toi ici.